C'est agréable, c'est ensoleillé, quoi. On peut dire même que c'est des tonalités d'été indien, puisque le soleil va régner d'entrée de jeu sur quasi l'ensemble du pays, surtout pour la moitié sud, alors qu'il va falloir quand même faire preuve d'un petit peu de patience pour une large moitié nord, avec beaucoup de brumes et brouillards, et ceci est dû à l'anticyclone qui plaque l'humidité résiduelle de la nuit encore au sol. Vous allez voir que ça va très vite se dissiper, donc dans l'après-midi pour une très belle journée, les éclaircies vont majoritairement l'emporter, avec un tout petit peu plus de passages nuageux là encore vers une large moitié nord, des éclaircies un peu plus franches vers le littoral de la Manche, et encore une petite évolution d'urne possible, que ce soit vers les Pyrénées ou encore près de la montagne Corse. Pour les températures, ça fraîchit encore par rapport à la veille. 10 degrés, c'est la minimale. 13 degrés à Paris, 15 degrés à Bordeaux, mais déjà 19 degrés vers la Méditerranée. Et dans l'après-midi, les températures restent stationnaires pour la moitié nord et en légère hausse d'ailleurs pour la moitié sud. 29 degrés pour la vallée de la Garonne, plus de 30 degrés encore près de Marseille, près de la Méditerranée, et tout de même 21 degrés du côté de Lille.